Bonjour à tous, c'est Mel dans cette nouvelle vidéo de Yuki. Mais les gens, on est hypés parce que là, on a reçu un colis tellement énorme, les gens ont tellement de trucs à ouvrir, il y a tellement de nouveautés que... Faut faire péter la barre de pouce bleu. On est en train de faire des vidéos Pokémon à la suite. C'est en mode dingue. De ouf, et c'est elles sont ouf. Toutes bien, les gens. La dernière fois, on a ouvert des Pokéballs de fou furieux, les gens. Mais de je crois malade. Qu'on pourra jamais faire mieux que ce qu'on a ouvert on a avec les Pokéballs. On a ouvert les meilleurs Pokéballs du monde, donc allez voir la vidéo sur la chaîne. Les gens, abonnez-vous, mettez un pouce bleu à cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on ouvre, on fait du lourd. On ouvre une disque. Display entière de style de combat, donc voilà. La toute nouvelle extension dans qui cette vient vidéo. De sortir en France. Parce qu'il y a une extension qui oui, vient de sortir au Japon, Japon, que vous avez vu. Il y a trop de nouveautés. Non, y a trop de trios, les gens, on va ouvrir une display entière dans cette vidéo, comme ça vous allez savoir le quota. C'est vraiment, on va voir les 36 boosters aujourd'hui, comme ça on va voir qu'est-ce qu'il y a en 36 boosters. Et on va pouvoir comparer parce qu'on en a déjà ouvert une. Ouais. On a ouvert 34 boosters sur 36, c'est genre. Ouais. On était rendu à 34 sur 36. Je vous jure, on a failli péter un câble. On a ouvert, on a eu Mastouf, Pingouillon, Necrozma, Melocri. Tu fais 4 vues, tu fais ouais. De toute façon, les vues, on s'en fout un peu ouais, parce voilà. Qu'on les a 15 000 fois. C'est ça. Pomme Drapi, on l'avait déjà eu. Elle est pas super ouf, jolie. Il est pas dingue. Pomme Drapi, oh, on l'avait pas. On était deck, on l'avait en foulard. Tu fais ouais, Pomme Drapi, c'est pas la meilleure foulard. Mais par contre, on avait eu une gold. Mais c'était pas ouf non plus la gold. Et là, tu te fais, voilà, bon, la display, c'est quand même 150 euros pour nous. Bon, même 200, jusqu'à 200 euros chez certains magasins. Et là, tu te fais, c'est pas ouf. Il restait deux boosters, les gens. On a pété un quart. On s'est dit, c'est pas possible, c'est nul le quota et tout. J'arrête, j'en ouvre même pas. Donc, on en a acheté quelques-unes. Du coup, on a ouvert comme des dingues les derniers en se disant, ah, c'est nul et tout. Et on a eu. Deux derniers, qui met pack. Cornelia, de concentration de Cornelia, qu'on avait donc, déjà eu. C'est déjà mieux. On ça a déjà rajoute pas. Un peu. On l'a eu en japonais. On l'a, eu, on l'a déjà eu, ouais. Non, on l'a déjà eu. Ouais, on l'a déjà eu. Du coup, tu vois, c'est un peu mieux. Et les gens, dernier booster. Tout dernier booster avant de finir fou. Avant de devenir fou, les gens, on a paqué. Chiffre arc-en-ciel. On non, était mais... dégoûtés de pouvoir ouvrir cette boîte en vidéo. Parce qu'on s'est dit, au début, on était contents. On dit, ouais, de toute façon, elle est pas ouf. Voilà, la gold dresseur, on en a déjà eu. On a eu la bleue, ouais, là, on a la rouge. Je fais, ouais, on s'en fout. Et dernier booster. Non, mais on a alors, pété un câble. C'est pas l'alternative, mais c'est déjà très bien. On a commencé très fort. On a pété un câble. On a pété un câble, les gens. On a pété un câble. Dernier booster, on a cru qu'on avait une boîte pourrie. Et dernier ouais. Booster, ça sort ça. Tu fais. Alors qu'on avait déjà une gold. Non, mais c'était pas possible. De gros, on prend donc aujourd'hui, il y a un terrain rare du lourd. Les gens, attention, massacre. Non. Il y a des collectionneurs qui sont. Du coup, on s'attend à moins bien en fait. En fait, on s'attend à moins bien voilà. Parce que Chiffon, Arc-en-Ciel, c'est juste la carte qu'il fallait paquer. Voilà. C'est le Pokémon un peu à l'image de Pikachu dans Voltage éclatant. Bon, les gens. À l'image de Dracaufeu Vmax dans Ténèbres embrasées. On va pas se mentir, c'est pas toujours qu'on nous display. Non. Ça coûte plus cher qu'une vidéo normale parce ouais. Que bah, il y a beaucoup de trucs quand et même. Mais on sera optimiste. Pile, si tu gagnes, tu as le côté droit. Oui. Sinon, je prends le côté droit. Oui. Ah bah, je prends le côté droit. Ok, allez, c'est parti, let's go. Je prends le côté droit, les gens, et donc on se sépare chacun de notre côté. Donc on va faire... Sauf qu'on va mélanger, quatre. Parce que moi je... Oui, moi je ne fais pas les deux boosters. Donc on va faire chacun de notre côté, donc on n'a pas mélangé les côtés. Donc on va faire 4, 5, 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 5
Vortant, Scalproix, et pour finir, oh, Tokotoro. Tokotoro, Nolo. Pire. Pire slime ever de manga japonais. C'est un manga ? Ouais, ouais. Ah ouais, t'es sûr ? Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, ça m'a traumatisé. Des gens. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Bah déjà, on voudrait la première. Un Pokémon. Ah, peut-être un truc. Ça a collé. Peut-être une V. Peut-être une V. Au niveau des V, je sais pas où on est rendu. Ramolos de Galar. Mimantis, Remoraid, qui est trop marrant d'ailleurs, qui pousse des cailloux, d'accord. Ouais, c'est marrant. Oh, Ousley. Ben oui. J'ai envie de parler voir ces cartes. Scalpion. Scalpion, Énergie, Hypocéan. Éventail houleux. Coléodome. Enrieurs, Exadron. Et une petite vue pour commencer, Mélocris. Pomme drapie. Je crois pas qu'on l'avait vu aussi. Elle me dit rien en V par contre. Horrible. Elle est horrible. La V-Max, ça va. Il est mignon, Pomme Drapie. Ouais, la V-Max, elle est bien. La V-Foulard est horrible. Et la V, on vient de la ravoir. Non, c'est encore un dernier. T'en as ouvert 3, donc un dernier, ouais. Bon. On commence. Voilà, mignon. Bah, on prend notre temps par rapport à du japonais, genre, parce que déjà, c'est pas le même prix. Oui. Et puis, c'est les plus gros paquets. Bah oui. C'est 11 cartes. Donc forcément, il y a plus de quantité à ouvrir. Oh. Encore en UV ? Je sais pas, j'ai tout mélangé, donc peut-être qu'il y avait encore quelque chose. Oui, c'est possible. Piaf avec. Pachirisu. Oh, il est trop mignon. Seribou. Oh, il est mignon, Goku. Bah, ils sont tous mignons. Dunaja. Si, mignon aussi. Oui, Messire. Spectra. Bon. Vortante. Attention, les gens. Oh, Kaorin. Elle est trop belle. Ouais. Une V. Encore une V, Pingoléon. Ah, bien. Bon, moi, j'ai les V. Toi, t'es les V et moi, j'ai c'est bien parce que la gold, l'alternative, la foulard, moi, j'ai tout. En fait, ce qui est bien, quand... Oui, il y a des alternatives d'ailleurs, les gens là-dedans. Oui. Bah, c'est à toi. Ah oui, t'en as vers 4. Ce qui est bien quand tu fais qu'une V, tu te dis, bon, c'est pas les plus grosses cartes, donc je peux encore avoir plein de trucs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, quand tu commences à packer une gold ou une foulard, tu dis, ah, ça enlève des foulards. Ah, c'est ça vrai, enlève une gold. Je sais pas si on va avoir une arc-en-ciel, franchement, je pense qu'on a eu de la chance d'avoir Chifourse. Je pense qu'on a eu de la chance d'avoir Chifourse. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Basque. Ce qui serait incroyable, c'est d'avoir l'autre Chifourse en arc-en-ciel. Triton. Ou d'avoir une alternative arc-en-ciel, ou alors d'avoir des alternatives full art, comme Tyrann aussi. Recycleur d'énergie. Comme je sais plus qui. Oui, Messire. Et je crois que j'ai un truc. Oh. Oh, Mimiki, trop mignon. Trop mignon. On l'a eu qu'une fois, je crois. Mais dis donc, c'est la fête du V, hein. C'est la fête du V. C'est la fête de la V. Parce que là, 3 V en 5 boosters. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas trop mal. On commence bien. Pourtant, on a tout mélangé. Hein. Oui, oui. Moi, oui. Je remélange encore parce que je sens qu'on va tout packer au début. est-ce qu'on prend partie de tout mélanger ? Moi, je mélange tout. Ah non, mais les gens, vraiment, le karma était horrible de la vidéo qu'on a voulu tourner. Il était horrible. Horrible. Alors, en fait, Citigris. C'est très cool d'ouvrir un display, les gens, il faut savoir que ça coûte très cher. Dunaja. Et qu'en fait, vous êtes assuré d'avoir quelque Magus, chose. Ouais. Donc en fait, l'appréhension n'est pas du tout la même. Bah, en fait, quand on a eu la gold, on s'est dit c'est fini, on n'aura plus rien de bien. Voilà. Quand tu ouvres une Pokébox, tu ouvres une Pokébox avec 5 boosters et que t'as une gold, t'es ultra content. Quand tu ouvres une display et que t'as une gold moyenne, Luxio. Bah t'es pas très content parce que ta gold, tu l'as payée quoi. Chafreux, Scorplan et Chaofouine. Allez, on continue. Bon, pour l'instant, c'est moi, plutôt je pas mal. Sens... Rien. Ouais, moi je veux on n'aura pas dessus, aussi. Je pense qu'on n'aura vraiment pas aussi bien. Non, regardez, on n'aura pas aussi bien. Ouais, je pense que ça c'était vraiment une bête de. Et on a pété un Dunaja. Bah oui, mais c'est de leur faute, c'était à la fin. Malos. On a ouvert toute la fin à l'arrache en mode non, mais elle est trop nulle la boîte. Et bam, dernier booster, tu es servi. Férocinge. Trop triste. Énergie combat. Niveau ball. Les gens. Allez. Morpeko. Allez. Bloqueur d'outils. Allez. Floramantis. Et Escolosan, là tu vas pas avoir du karma. Du karma. Attends, en 8 boosters on a déjà eu 3 V. Ouais, ça c'est ça. Est-ce que je te pique un booster ou pas ? Non. Est-ce que tu veux trade un booster ? Non. De toute façon, plus on ouvre, moins il y a de trucs. Enfin, plus on ouvre et qu'on a rien, c'est-à-dire que ça va s'approcher vers la fin de quelque chose. Kung Fuin. Il y a forcément. Attends, il y a peut-être pas aussi bien, mais il y a forcément des full art. Au moins, des V-Max. Pérégrin. Pérégrin, Scorbol, Jean Fleuret, Jean Targe, Dunaconda. Oh! Oh! Tokoriko V-Max, elle est jolie! Très belle! Hein.
Très très belle. On l'a pas eu. Je crois qu'on l'a eu une fois. Mais pas souvent, ouais. Je crois qu'on l'a eu une seule fois. Bah, après, on n'a pas ouvert beaucoup. Non, on n'a pas ouvert beaucoup. On n'a pas ouvert beaucoup de. Ah, bah bien. Une belle V-Max. Une belle V-Max. Allez, jolie, jolie. Allez, à toi. C'est les tripacks qu'on a ouvert, ils étaient. Ah, ils étaient, mais horribles. Ouais. Parce que les tripacks de voltage éclatant, ils étaient incroyables. Mais les c'est vrai qu'on a de eu la chance style. Dans le voltage éclatant. Style de combat, c'est les packs d'avant-première. Ils étaient... Ah ouais, mais nous, on a dingue. Eu les, les packs d'avant-première éclatés. Éclatés aussi. Non, le mieux, c'était voltage éclatant avec les ETB. C'est vrai. C'est vrai, c'était pas mal. Malos, je crois que j'ai quelque chose. Ah bon ? Scorplan, Spoink. Archéomir. Bah, je spoil, mais en même temps, je le vois. Alors, je vais pas jouer l'ignorant. Mmh. Attention. Une V, t'as une ah, V. C'est une V. T'as une V. Non. C'est qui déjà? Ah, oh, Tyrannosif. Pas mal, pas mal. Mais je crois qu'on a eu toutes les V. Donc logiquement, si on est sur le même quota qu'avant, on a plus aucune V. On a toutes les V et on a plus aucune V et on a eu qu'une V max, donc on a plus de V max. Ouais. Normalement. Donc là, si on a eu une autre V, ça pue. Ouais, déjà, tu sens, voilà. Tu sens que c'est si, pas normal. Si on a une autre V, ça pue. Voilà, c'est... Non, mais comme ça, on sait au moins à quoi s'attendre, tu vois. Hop. Dis pas ça, ça stresse là. Pachirisu, Eoko, Monorpal, Hippotrempe, Ferrosinge, Énergie, Recycleur d'énergie, Une Vitalité, Ourifière, Octillerie et Dragueul, qui est très laid. Très très laid ce Pokémon. C'est genre le Pokémon le plus moche du monde. Il m'en reste combien ? Il t'en reste. Bah, je sais pas. Attends, je vais compter. Normalement, il doit être rentré. T'es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il t'en reste un à ouvrir. Chaglam, Dunaja, Piper et Booster. Hein. Viscuse. Non, non, t'inquiète. Malos. Ouais. Ah, la confiance. Énergie électrique, Peregrine, Took. Bah, il y a deux Peregrins. Ah, ouais, t'as deux Peregrins. Il est peu commun, lui. Bizarre. Aldo. Okay. Ah, il y a lui aussi qu'on peut voir. Spectra. Colossandre. Tiens, il t'en reste un. Je vais raconter les boosters parce que je te fais pas confiance. Non, je rigole. Je vais prendre un tiran aussi. Oui, mais il est rempli du coup pour pas tout avoir. Ouais. Bah non, mais comme ça au moins. Je mais ça se trouve, on a plus rien, on a eu les 4 V et une même pas. T'imagines. C'est pas grave, regardez, on va la mettre là comme ça. Ouais, ouais, pour ouais. Appeler la chance. Non, mais les gens, elle est magnifique. Une gueule, une arc-en-ciel, je pense qu'on refera pas. Hein. Non. Grucui, Pachirisu, Kung Fuin, Balbuto, Mime de Galar. Monsieur. Frison, Colomar, Gros Ray, Gros Tichon. Et Mystérix en de l'eau. On l'a pas eu souvent celle-là. Ok, ok, on se rapproche de peut-être quelque chose. Et donc après on fera 5 et 5 parce qu'on en aura 10. Allô, oui, oui, oui. Chifourse alternative. Donc il y a Chifourse V Full Art, Chifourse V Full Art, Chifourse V Full Art alternative, Chifourse V Full Art alternative, Chifourse V Max, Chifourse V Max, Chifourse V Max arc-en-ciel, Chifourse V Max arc-en-ciel, Chifourse V Max alternative arc-en-ciel et un autre Chifourse V. Non mais il y a qu'un Miss Chifour. Faut tous les avoir. Luxio. Chifourse, Chifourse, Chifourse. Allez. Démolos. Oh, Seriflore. On l'a peut-être pas eu celle-ci. Je pense qu'on l'a pas eu, ouais. C'est une holo. Elle est très mignonne. Ouais. Bon, on complète la collection. Je sais pas si on va la faire. Ça dépendra de cette extension. Ça dépendra de cette boîte. Aussi, en quelque sorte. Et ça dépendra des coffrets. Je sais pas si on va ouvrir d'autres tripages. Je pense pas qu'on va s'acharner sur non. extension, les gens, parce que on va pas se mentir. Après Voltage Éclatant, après Shiny Star V, Destinée Radieuse, Eoko. Bah, c'est plus. C'est pas nul, mais c'est vachement plus standard. Nosferatu, ouais. Donc, du coup, c'est moins incroyable. Urne de Vitalité, Morpeko. Par exemple, et Voltage Éclatant était une standard aussi, sauf qu'il y avait les Amazing. Et en plus, il y avait Bug, des Gold dans les ailes. Ah, non, mais. Et non, puis, c'était Pikachu. C'était quand même un Pokémon vraiment trop stylé. D'ailleurs, on a packé la Full Art, et la Full Art vaut très cher, les gens. Oui, mais en même temps, ça m'étonne pas. Elle tombe pas. On l'a eu une seule fois. Elle tombe pas. Elle tombe vraiment pas. Alors, on en a pas ouvert des masses hein, du Voltage parce que bah, ça coûtait cher. Et puis, on a pas trouvé facilement. Deux displays. Ouais. Une display anglaise, excellent. Deux displays françaises. Electric, on a ouvert un paquet de tripack et de solo. On a ouvert pas mal les hits. Non, Énergie. Non, on a ouvert pas mal. Sarah, Aflamanoir. C'est qui, mais se convainc qu'elle a bien fait d'acheter l'arc-en-ciel. Allez. Énergie, point final. Et Malamandre. Et ben, je trouve qu'il y a pas grand chose. Mais c'est normal parce qu'on est à 20. On est même pas à la moitié. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste qu'à ouvrir. Oui, on n'est même pas à la moitié. C'est le karma quand même d'ouvrir toutes les V en premier. Ouais, on a un karma chelou. Ouais. C'est pas grave.
On va paquer Chifourse Alternative Arc-en-Ciel. Chétifleur, bien sûr. J'y tiens. Kung Fuin, Vol Toutou, Chaglar, Énergie, Coléodome. Chiffre Alternative, c'est sympa, je pense. Grotichon, Arkemir et Betochef. Mais non, tu peux vérifier, on est à la même hauteur. Bon. On y croit. 5 et 5. On y croit parce qu'on se dit... voilà, viens, viens avec nous. Moi j'aime bien l'autre full art graisseuse, donc celle avec les cheveux verts, donc Sarah, si je ne me trompe pas. Sarah. Pas moustard, s'il vous plaît. Parce qu'on l'a déjà deux fois, une en Jap, une en français. Non, arrête. Non, stop. Non, y'a rien, je pense. J'ai pas touché, j'ai vraiment pas touché. Ouais. Regarde pas. Lixie, Larvadar, Scalpion, Ferrosinge, Gripate, Énergie, Fermite. Moustard, Sarah. J'espère que c'est pas une... Oh, Roitiflamme Reverse. Il est beau. Il est très beau. Non, t'as rien. Et les câbles. Et on va rien avoir. LOL. Non. Il nous manque... C'est une qui est pessimiste maintenant. Il nous manque deux full art et au moins une gold ou une arc-en-ciel. Ah. Je touche pas, j'ai pas touché. Ah! Pas une V, ou une V max. Ferrosinge, Gripasse, Balbuto, Charpentier, Écrapince, Énergie, Moustard, Noceralto, Aldo. Oh, ça pue. Là, ça pue les gens. T'as un coup, t'as différent. Attends, oui, tranquille. Non, mais une V, j'ai dit pas une V en plus. J'ai dit pas une V. Cornèbre, Hippotrempe, Cerebou. Après, ça sera peut-être mieux. Il y aura peut-être une carte de plus. Énergie 1000 points. Spectra. Larvadar. Oh. Une V max. Une V max, mais on a pas eu de flirt. Oh, ça pue la mort, quoi. Chifourse. Oh là là, c'est quoi ce quota? C'est quoi ce quota, les gens? Ça fait peur! On a eu 2 Vmax. On a eu 2 Vmax et 5 V. Ça veut dire quoi? On a pas du tout le même quota que la Vmax. C'est pas du tout pareil. C'est pas pareil, non! Je voulais que ce soit pareil, moi. D'ailleurs, on est la même que celle-ci, mais pas en arc-en-ciel. Ouais, c'est ça. Oh bah, pour le coup, moi je préfère les noirs arc-en-ciel parce que l'illustration est plus sympa. Oui, l'arc-en-ciel, ça gâche un peu tout, mais après. Mais c'est pour ça que l'alternative de l'arc-en-ciel est très très jolie. Il m'en reste 2. Attends, il m'en reste 10 quand même, moi. On est à la moitié. Non, mais pourquoi il y a 2? Pourquoi il y a une V? C'est pas pareil. Je veux que ce soit pareil. Punaise, une gold, une arc-en-ciel, mon dieu. Ah non, mais pourquoi c'est pas pareil? Lixie, Scalpion, Charpentier, Gricui, Feu, Dentikris, Frison, Urne de Vitalité, Tokotoro. Mais rien, t'as déjà eu 2 trucs, là. C'est bon ou pas? Non. Ah, c'est une blague? Ouais. Purée, mais il reste encore 14! C'est trop nul! Mais non, mais au moins une arc-en-ciel. Si on n'a pas au moins une arc-en-ciel, les gens, même si c'est un dresseur, je m'en fous. Il faut au moins une arc-en-ciel. Dans des trucs à ce prix-là, les gens. Ou une gold, mais Pokémon. Non, une gold, oui. Balbuto, Charpentier, Écrapince, Cacné, Imitibule, Énergie, Scalproid, Boostiflore, Spectra, Uralutor. Oui, bah tant mieux, parce que moi j'aimerais bien quand même paquer des trucs. Oh là là là. J'ai peur. J'ai méga peur là. Secours. Au secours. Lapin. Au secours. Archéomir, Cacnea, oh Sporing. Non, non, mais sors pas une Vmax ou une V. Si tu sors une Vmax ou une V, c'est foutu. C'est fini. Alors, après, faut voir sur deux boîtes. On a eu de la chance. Hein. On a eu une Vmax, une des meilleures Vmax arc-en-ciel. Mais c'est pas Dragofeu non plus, quoi. Voilà, hein. Oui, c'est une carte à 50 euros, quoi. Regarde, même le cutter est stressé. Ah, tu me stresses. Arrête. Vas-y, mets Dragofeu arc-en-ciel. Ouais. Dragofeu de voix du maître. Non, Dragofeu de destinée radieuse. Oh, mais tiens, Dragofeu, ils sont trompés. Lixi, t'imagines, les gens, ils se trompent. Ce serait marrant. Des gens. Vortense. Allez. Non, mais tu m'as rien laissé. Sarah. Oh là. Tu m'as rien laissé, je suis sûre.
Allez, je suis avec la 2. On a eu une arc-en-ciel et une foulard sur les deux derniers paquets. Deux derniers paquets. Lapin, au secours! Et Crapins, l'épidonie. Ah, il vient. Ocelet. Il vient nous aider. Cornèvre. Grucci. Il s'est fait un petit lit matelassé de foin. Il dort dessus, il est trop mignon. Frison. Colomar. Ramolos. Oh, l'alternative! Oui! Une alternative! Elle est magnifique! Elle est trop bien! Je elle sais, en plus, mon frère Mimir me l'a montré tout à l'heure, il m'a dit, ouais, elle est trop bien celle-ci! Il avait pas une voix aussi grave, mais oui! Il a fait, hey, elle est trop bien celle-ci, je la peux! Oh, elle est magnifique! Elle est incroyable! Elle est incroyable! La version normale à côté est pue! Ah ouais, non mais de oh, elle est trop elle belle! Elle est trop belle! Il est en fait, il a trop elle mangé! Elle est trop belle! On a une alternative! Wouhou! On est pas foutu! Elle est magnifique parce qu'en fait, le petit illustration avec le petit Grucci derrière qui regarde, parce que le Tyrannosif, il a juste tout mangé, elle est trop belle. Elle trop est trop belle. Elle est trop belle. C'est bon. Elle est trop belle. C'est bon. On reprend du poids de la bête. Il me reste. Ouais. Attends, 3, 4. Il me reste 2 boosters à ouvrir. Oui, allô? Oui? Non, j'ai eu. Qui m'a acheté un portable à. Non, c'est Séoul. Vous avez vu, on l'a recyclé. On a fait du home staging. On a utilisé le lapin pour faire une coque de portable. Non mais Kim, elle a vu ça sur Wish. Elle a fait, oh c'est trop bien. On les a reçus aujourd'hui, genre ça faisait genre un mois qu'elle avait commandé ça. J'avais oublié, mais complètement. C'est quoi? Non, elle est trop bien. Elle est trop bien. Allô? C'est absolument pas pratique. Non, ça sert à rien, mais c'est stylé. Mais non, mais t'as pas mis, t'as montré la petite queue. Petit pompon. Pompon. Bon, non mais je voulais voir les ouais non mais c'est très cool une alternative les gens c'est j'en rêvais mais non mais c'est la première alternative qu'on a de Battle Steel c'est oui. Très bien oui c'est ça ah cool si on pouvait en avoir une deuxième dans cette ouverture non mais je joue pas je suis pas en train de jouer non je joue pas Gripas je veux juste voir sur internet combien elle est cotée Tramolos Voltoutou Cornel Énergie Ouvrifié Hypocéan Éventail houleux, Colossinge et les câbles. Si. Bon, j'espère qu'on aura autre chose quand même. Parce que là, ça pue un peu. Ouais. Tiens, nous aussi. Oh, mais... 155. Attention. Attention. Ça coûte cher. C'est vrai. Elle est en enchère. Il y a 34 enchères, finie dans 30 minutes. Elle est à 76 euros. Oh, oh pas mal. Il y a que 4. Oh la vache. Trop bien, mais la meilleure carte. Miss Dibule. Yeah. Rémored, c'est ça qu'on veut. Elle coûte aussi cher que l'arc-en-ciel, les gens. Dantigris, Frison. Faut pas que ça finisse là-dessus. Une autre bien. Allez, attention. Mystigris. Il nous reste 10 boosters encore, quand même. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, 10 boosters. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va la mettre dedans, ça coûte encore plus cher que. Non, mais elle est super belle. Elle est vraiment cool parce qu'en plus, Tyrannosif, c'est un Pokémon un peu old school quand même. Qui est ultra stylé et là il est vraiment l'illustration. Honnêtement, j'ai peur qu'on ait que ça. Si elle coûte aussi cher, c'est qu'elle a du mal à tomber. J'ai peur qu'on ait que ça parce que pour être honnête, non, ce qui se passe, non, c'est non, que on est rendu à 7. Non. On va avoir une arc-en-ciel. Monsieur Mime, Chatiflore, Onyx, Piafabec, Gripat, Énergie, Rapace des Piques, Groray, Rémored et Hipporoi en holo. Non. Non. Mais non, mais franchement, pas une arc-en-ciel, alors au moins une autre foulard. Au moins une autre foulard, ouais. Une autre foulard, mais même pas alternative. Dresseur, pas dresseur. Qu'est-ce qu'il y a en autre alternative? Il n'y a que celle-ci? En foulard? Je vais regarder. Franchement, les gens, best foulard ever. Ouais. Vient de paquet, là, elle est incroyable. Et puis, elle est très cotée, donc elle doit être dure à tomber. Nosharati. Rémored. Onyx. Misdibule. Cerebou, Énergie, Scalfroid, Nosferatu, Balbuto, et pour finir, Colossinge. Ça pue un peu, ouais. J'ai peur que. Si on a que ça, c'est vraiment naze. Hein. C'est vraiment pas une bonne boîte. Hein. Mais après, au moins, on a une très bonne carte. Alors, en alternative. Donc, je pense qu'on a eu toutes les V. Ah, bah oui, mais non, mais il y a Chifourse en alternative, je suis bête. Oui. Il y a les V, je l'ai dit en plus. Pingoléon. Il y a Pingoléon aussi qui est sympa. Pingoléon et Chifourse. Et Tyrannosif. Et c'est déjà pas mal. Ouais. Les deux Chifours. Ouais. Ah, s'il y a Spectra qui est bien aussi. Spectra et Sarah. Ouais.
Vas-y. Affamé noir, rapace d'épic, corps de sortie, niveau ball. Et Beto Chef. Oh, sérieux, non, les gens, non. Par contre, il y en a que ça, c'est faut arrêter Pokémon, quoi. Faut pas acheter ce genre de produit parce que c'est vraiment. Là, il suffit qu'on ait pomme drapie, et la boîte, elle est éclatée. Elle est horrible. Quoi. Elle est juste horrible. Bah ouais. Non, attends, attends. C'est toi qui dis qu'on va rien avoir. Mais non, mais parce que. Alors, je sais pas si c'est au niveau du nombre ou du. En fait, je sais pas. Mimantis. Pardon. Piafabek, Nocerati, Ocelet, Viscuse, Énergie, Recycleur d'énergie, Ouvrifié, Cacturne, Exelang. Eh ben, ça pue. J'ai peur. Plus d'effet, ça. J'ai peur. Un lapin. Oui. Ouais. Si vous entendez un sifflement derrière, c'est pas un bébé, c'est le lapin qui rentre. Oui. C'est pas d'enfants cachés, les gens ou autres. Hein. Arrêtez vos fanfictions. Vous l'aurez dit déjà, je oui, pense. Oui, ouais. Ça se serait vu un petit peu. Légèrement. Voilà. Ah, je suis sûre, on va rien avoir. Ici, Larvardar, Scalpion, Énergie, Groray, Luxio, Pérégrin, Nosferalto. Ah, ça et pue quoi. Mouillade. Non, vraiment, franchement, si on a que ça, c'est vraiment une honte. Mais en fait, je sais pas parce qu'on est à 5. Attends, donc, on va finir, mais vas-y. Oui, ok, allez, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on a 8. Et combien on en avait? On a 8. C'est 8 et 8. Bah non, mais on peut pas avoir une boîte avec 4 ultra. Non, non, c'est pas possible. 9. Ah. Donc il en manque peut-être une. Non, non, mais il faut une arc-en-ciel. Si on n'a pas au moins un arc-en-ciel, c'est du vol parce qu'on peut pas avoir une boîte avec 2 full art, oui. Une gold, une arc-en-ciel et une autre boîte avec juste une full art. C'est pas possible. Monorpal. C'est pas possible. Les gens, Astronel, on l'a jamais eu en holo. Hein. On a eu de la chance d'avoir la meilleure full art, mais là, non, quoi. Non, si c'est pour avoir une très bonne full art et au final ne la mettre à l'envers en mode hé, hey, vous aurez rien d'autre. Non. Non. Nine. Nine, 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 nine. Non, mais allez, les gens. Non. Il en a, il manque une. Il en manque une. Il manque une carte, sûr. Ça fait peur, quand même. Monsieur Mime de Galar, Mimantis, Piafabek, Nocturne. Ce ne sera pas une bonne boîte, quoi. Osley, Énergie, Vortante, Jean Fleuret, Jean Targe. Recycleur d'énergie. Ah, tu peux pas aller, tu peux pas mettre ça à 200 balles quoi. Attends, 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 attends. Non, non, mais oui. Attends la fin. Non. Regarde la dernière fois. Ok, attends. Je ne dis rien. Ouais, tu peux pas mettre ça à 200 balles. Je parle pas à la vidéo, je parle à moi. Tu peux pas mettre ça à 200 balles, les gens, c'est du vol. Non, s'il te plaît, Charles. Non, me fais pas ça. Tu non, pas, mais, pas, mais non, mais je peux pas sais, avoir un tiramisu. Attends, attends, attends. C'est du vol. Tu vas dans un magasin, il y a une boîte. T'as une chance sur 36 d'avoir une full art et c'est la seule carte qui vaut quelque chose. Le reste, oh, c'est non, nul. Non, non. Mais c'est pas possible, les gens, c'est nul. Oh la vache. On va ouvrir 10 boosters à gens où il n'y a rien dedans alors que la boîte elle est pourrie, tu sais. Bon, les gens, c'est un scandale. Mais mais bon, on a eu. Non, mais. Il y a eu une bonne full art. Heureusement que c'était une bonne, très bonne full art. Petit message à Pokémon Company. Mettez un quota. Mettez un quota. En Japon, il y a un quota. Tu payes 30-50 euros. Tu as une full art. Enfin, une secrète. Donc, une soit une full art, une arc-en-ciel ou une gold. Dans une boîte. À chaque fois, c'est obligé d'en avoir une. T'en as qu'une, oui, c'est pas drôle. T'as 2 ou 3 V max et t'as 4 ou 5 V. Là, on a ouvert 2 boîtes qui viennent du même endroit, les gens. La première boîte, on a eu 4 ultras, une gold, une arc-en-ciel, une full art dresseur et une full art qui est éclatée, certes, mais ça reste une full art. Et dans la deuxième qui vient du même endroit, qui se suivent, on a eu une seule full art. Genre, on n'a pas eu, c'est une catastrophe, genre, c'est la pire disclaimer. Vous n'avez jamais vu Guillaume avec une voici. Non, mais. La première était très bien, moi je dirais que ça. La première, elle est presque buguée. C'était bien. Non, elle est buggée. Tu peux pas avoir une arc-en-ciel et une gold. Oui. Mais voilà. La deuxième, elle est buggée dans l'autre sens. Parce que, ouais, mais on a eu 2 V max. Ouais. En tout cas, on est sûr que ça vous plaît. Enfin, les collectionneurs de Pokémon qui vous beaucoup comprendront. Voilà. Tout le monde peut-être qu'il y a certains qui se diront, mais vous avez plein de cartes. Oui, oui mais. voilà. Donc dites-nous en commentaire, les gens, ce que vous en avez pensé de ces ouvertures. Ce que vous préférez comme boîte entre les deux qu'on a ouvertes, hein. Bah, il y a pas de problème. Après, voilà, le Tyranno aussi, franchement, il est vraiment très stylé. Le Tyranno aussi, il vaut son petit pesant de cacahuète. Il est mais vraiment beau. Ça suffit pas. Voilà. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. C'est vraiment le like, hein. Je sais pas si toi, c'était à voir des petits fagogales. Ah, pardon. Ah oui. Allez, salut!